السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلامذة شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، كنا قد توقفنا عند الدرس الرابع من المجزوء الأولى في دروس المحاسبة العامة La comptabilité générale Partie 1 Initiation à la comptabilité générale الآن le chapitre 4 Les composantes des résultats فلنبدأ على بركة الله Le plan de cette leçon est comme suit. Définition et type de charge, définition et type de produit, détermination et type de résultat, table des produits et charges, compte des produits et charges, et des applications avec corrigé, bien sûr. Premièrement, les charges. Al-Masarif. Les charges de l'entreprise constituent des sommes d'argent qui sont payées aux tiers, aux autres, comme les fournisseurs, les banques, l'État, le personnel, etc. مصاريف الشركة هي مجموعة من الأموال التي تؤدى إلى الآخرين مثل مزودين بالسلع، الأبناك، الدولة والموظفين، etc. Le plan comptable marocain. Le plan comptable marocain هو الدليل الخاص بالمحاسبة العامة في المغرب. سنخصص له إن شاء الله تعالى مقطعا خاصا لشرحه وتوضيحه. J'ai dit que le plan comptable marocain a classé les charges dans la classe 6 et il distingue plusieurs types de charges. كاين مجموعة د الأنواع للمصاريف. Les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Les charges d'exploitation, il s'agit des charges qui sont liées à l'activité principale de l'entreprise, comme l'achat de la matière première. هي مصاريف تتعلق بالنشاط الأساسي للشركة مثل شراء المواد الأولية. هادو ce sont des charges d'exploitation. Les charges financières, il s'agit des charges qui sont liées à l'activité financière de l'entreprise, comme l'intérêt des emprunts. المصاريف المالية كما يدل عليها اسمه هي مصاريف تتعلق بالنشاط المالي للشركة مثل الفوائد على القروض التي تؤديها للأبناك. ولي شارج نون كورونت il s'agit des charges qui ont un caractère non répétitif c'est-à-dire exceptionnel comme les subventions. هاد المصاريف هي مصاريف التي يعني ليست تكرر دائما غير مكررة بحال شراء المواد الأولية أو دفع فوائد على القروض أو غيرها. C'est-à-dire exceptionnel يعني حالة استثنائية تكون مرة comme les subventions comme بحال دابا المساعدات الشركات تتعطي مساعدة لشي جمعية لشي جهة معينة. Les produits المقابل ديال les charges. Les produits constituent les recettes. المداخيل c'est-à-dire les revenus qui sont réalisés à la suite de la vente des biens et services ou des autres activités, comme les loyers reçus et les intérêts reçus. هي مجموع المداخل التي تحققها الشركة من خلال بيع منتجاتها وخدماتها أو أنشطة أخرى مثل الكراءات التي يعني تحققها أو الفوائد التي تستفيد منها الفوائد الربوية من الأبناك من الأموال التي تضع الشركة في بنك ما. Le plan comptable marocain a classé les produits dans la classe 7, les charges dans la classe 6 et les produits dans la classe 7. Et il distingue aussi plusieurs types de produits suivants. المقابل ديال les charges, on a les charges d'exploitation, maintenant les produits d'exploitation, charges financières, produits financiers, charges non courantes, produits non courants. Les produits d'exploitation, il s'agit des recettes ou des revenus qui sont liés à l'activité principale de l'entreprise, comme la vente des marchandises. هي أموال يعني تأتي من خلال أنشطة متعلقة بالعمل الرئيسي للشركة مثل بيع المنتوجات. Les produits financiers, il s'agit des revenus qui sont liés au domaine financier de l'entreprise comme les intérêts reçus. Les produits financiers هم أرباح تحققها من خلال عمليات مالية مثل الفوائد الربوية التي تستفيد منها الشركة. Et les produits non courants, il s'agit des recettes qui n'ont pas un caractère répétitif, يعني عمل غير مكرر, c'est-à-dire exceptionnel, استثنائي,
comme les subventions reçues par les moussaadat lati tahsulu alayha al-sharika imma min ad-dawla ou imma min moustatmirin ou imma min jihatin mouayena. 3. Détermination du résultat. Yani hisab ribh ou natija lati hassalatha sharika fi sanatin ma sawa kanat ribhan ou khasara. À partir des charges et des produits, انطلاقا من المصاريف والمداخل on peut calculer le résultat de l'entreprise نستطيع حساب نتيجة الشركة. Le résultat de l'entreprise est calculé à partir de la formule suivante. نتيجة الشركة تحسب انطلاقا من القاعدة التالية. Résultat est égal total des produits moins total des charges. نديرو مجموع الأرباح التي حققتها الشركة ناقص مجموع المصاريف التي قامت بصرفها. 4. Les types de résultats. أنواع النتيجة. هناك مجموعة ديال الأنواع النتائج. Le plan comptable marocain distingue plusieurs types de résultats. كاين résultat d'exploitation. يعني اللي معلقة بالنشاط الأساسي للشركة. تنحسبوها برودوي ديكسبلواتاسيون موان شارج ديكسبلواتاسيون. الأرباح اللي ربحناها من النشاط الأساسي ناقص المصاريف اللي صرفناها في النشاط الأساسي للشركة. ريزولتا فينونسيي تيغال برودوي فينونسيي موان شارج فينونسيير. ريزولتا كورون هي ريزولتا ديكسبلواتاسيون بليس أو موان ريزولتا فينونسيي. ريزولتا نو كورون هي برودوي نون كورون موان شارج نون كورون. Résultat avant impôt et résultat courant plus ou moins résultat non courant. À partir de ces résultats qui sont calculés, l'entreprise a la possibilité d'établir un tableau appelé tableau des produits et des charges. Voici le tableau des produits et charges. Les charges et les produits de l'entreprise sont regroupés dans un tableau appelé tableau des produits et charges qui se présente comme suit. La partie droite a les produits, la partie gauche a les charges. Les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. La même chose pour la partie produits, produits d'exploitation, produits financiers et produits non courants. 6. Les comptes des charges et produits. Je finis la séance précédente, les comptes schématiques. D'abord, je vous fais les comptes schématiques concernant les produits et les charges. Les comptes des charges sont débités du montant des charges. Les charges sont la classe 6. C'est-à-dire le compte schématique comme le suivant, le débit et le crédit. Là, le montant des charges est débité. C'est-à-dire la partie débit, solde débiteur. Le compte ou bien les comptes des produits sont crédités du montant des produits. Les comptes de produits qui connaissent la classe 7 ou le montant tient du rôle partie crédit. Ils sont, ou bien le solde est créditeur. Quel est l'application de l'application de l'application? L'entreprise Alpha vous communique la liste des charges et des produits enregistrés au cours du mois d'octobre 2020. Nous avons un ensemble d'opérations. D'opérations des charges et des produits. Frais de personnel, vente de matières premières, vente de marchandises, intérêts reçus sur prêt, intérêts reçus, les intérêts, impôts à l'État, honoraires de l'expert comptable. يعني خلصنا واحد الاكسبير كونطابل قام بواحد العمل. سالير دو بيرسونيل يعني الشهريه ديال الموظفين. فري دو بيبليسيتي مصاريف اشهار. انتيغي دو لومبران على بانك يعني فوائد ربويه ادتها الشركه الى البنك. فري دو ترونسبور مصاريف النقل. اشا دو مارشانديز شراء السلع. لويي اون كيسي يعني الشركه عندها محلات يعني قامت بكرائها ودخلت منها دي لويي. Achat d'une imprimante, chira à la tibaa, vente de services, baya, bad al-khadamat, subvention régionale, yani chérika stafdat min moussaadat jihawiya, yani atataha al-jiha,
كوتيزاسيون دو سيكوريتي سوسيال، يعني الشركه عطات المساهمه ديالها في الضمان الاجتماعي. Travail à faire, classer les opérations réalisées par l'entreprise dans le tableau des produits et charges. Et les télémètres sont le tableau des produits et charges qui me suivent là. Ou quelle opération il y a de produit ou bien charge. Voilà les charges. Frais de personnel. يعني مصاريف تتعلق بالموظفين، هذه مصاريف أدتها الشركة واضحة. الضريبة les impôts à l'État، يعني هذو مصاريف على الشركة. Les honoraires de l'expert، l'achat d'une imprimante، les frais de publicité، les intérêts de l'emprunt à la banque، cotisation de sécurité sociale، frais de transport et achat de marchandises. بالنسبة les produits، عندنا vente de matières premières، vente de marchandises، intérêts reçus sur prêt، loyer encaissé, vente de services, subvention régionale. Et là, on a le résultat, il y a total produit moins total charge. La total des produits, c'est 200 000, ou les charges, c'est 165 000 dirhams. On dira la différence, 200 000 moins 165 000 dirhams, ce qui nous donne 35 000 dirhams. Et nous, le rébh, 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 وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.